Coucou à tous, alors je vous prends aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. En fait, je me suis aperçu qu'il me manquait un sachet, le sachet numéro 11, pour finir le diamond painting qu'on a déjà bien avancé. Et du coup, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'il est nécessaire que je le continue et que... Enfin, est-ce que c'est possible, ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous avez réclamé, par exemple, en disant, bah voilà, il me manquait le sachet de tel... couleur sur le tableau un tel ou je sais pas comment est-ce que ça vous est déjà arrivé, est-ce que vous avez déjà fait une réclamation pour avoir les diamond painting qui manquent? Ben en fait je suis très embêté parce que je l'ai bien avancé comme vous pouvez voir et du coup je suis déçu et à la fois je comprends pas pourquoi j'ai pas ce sachet numéro 11. Voilà, il me manque un sachet en fait. Donc en fait, bah, je suis bien embêté et je ne sais pas comment faire. Donc voilà, bah, c'était une vidéo très courte. Ça va un peu mieux ma santé. Donc bah, voilà, je me remets à faire des petits bricolages, hein, comme vous pouvez voir. Mais du coup, et ben, je suis ennuyé de ne pas avoir... Bon, je ne sais pas. Je vais le finir. Enfin, je vais finir. Je vais le continuer. Je vais essayer d'envoyer un mail à l'entreprise qui m'a envoyé en disant qu'il me manque un sachet. En plus, ça fait au moins, je sais pas, plusieurs mois qu'on l'a eu, je crois, avec les filles. On s'y était mis un peu, puis après on avait laissé tomber le truc, et là je m'y suis remis parce que j'avais plus de temps, voilà. Parce qu'il faut dire que les dernières vacances, les filles, elles ont eu pas mal d'activités. Lola, elle avait une semaine où elle avait des activités, enfin non, pendant les 15 jours de vacances, elle avait des activités avec le club de foot. C'était on est tous fans de foot ou presque. Et en fait, c'était des activités où ils faisaient du sport tous les jours, tout ça. Les filles, du coup, elles ont été au centre aéré, tout ça. Enfin, voilà. Donc, on avait tous des activités. Et on n'a pas eu le temps de s'y pencher. Et là, ben, je viens de le ressortir hier ou avant-hier. Et je m'aperçois qu'il manque un numéro. Alors, je l'avais rangé dans un endroit sous un meuble, quoi. Enfin. Sous une table basse où il y a toutes mes plantes et tout. Et du coup, je me suis dit que peut-être que le sachet avait glissé derrière. Mais là, ce matin, enfin, tout à l'heure, j'ai tout démonté cet après-midi pour essayer de voir si je retrouvais le sachet. Et impossible de le retrouver. Donc, eh ben, c'est une drôle de farce. Voilà, ça m'ennuie. C'est tout ce qu'il y a à dire. Voilà. Et en plus, en fait, je me suis aperçu que sur les autres sachets... Bah en fait, il faudrait que je finisse ce tableau pour pouvoir récupérer les sachets numérotés, puisque les autres, ils sont comme ça. Et du coup, si je les ouvre, je peux pas les refermer. J'ai peur de perdre bah, les strass qui sont à l'intérieur pour faire le deuxième tableau. Donc, bah, je vais déjà finir celui-là comme je peux. Je ne sais pas comment je vais faire pour le truc qui manque. Je vais essayer d'envoyer un mail. Je ne sais pas si on va me répondre ou pas. On verra. Et comme ça, je pourrais récupérer les sachets vides, en fait. Je pense que c'est comme ça qu'on doit procéder. Puisque de toute façon, j'ai pas d'autres sachets. Enfin, j'en ai quelques-uns, deux, trois qui se ferment, mais j'en ai pas assez pour mettre toutes mes perles. Et voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'était une petite vidéo. S'il manque des diamants, enfin, s'il manque des diamants dans un diamond painting, comment faire? Voilà. Bon, c'était une petite question. Bah, je vais vous mettre ça sur YouTube et j'espère que... Enfin, non, je vous souhaite pas que ça vous arrive, mais peut-être que si quelqu'un à qui c'est déjà arrivé veut bien me conseiller, ben, ça serait sympa. Merci beaucoup. Et bonne journée, au revoir.